Bahi force du progrès bafuta kabango mbongo. Content na biso ya force du progrès na lito biso to unité wapi content na biso wapi yango les hommes on était au lieu après c'est biso $80 donc c'est biso 60 $ to ko sanga na mokonzi mboka o ya pesa lukula sima ka mbongo basa en sorte que ba ben na mutuna bango ba koka na ko pesa ye conseil vi aye ba ko respecter ba combattant na makamu na bango et technique to unité ba pinaire to makuna o mais $80 pour bazali bayi force du progrès ya IDPS. Tomusus na moni ba kolekana ba télévision onga na kola na Kalina onga na kola na Bandalungwa tomoni bango ba uti mboka baye na Bandalungwa awo vane pa noko na ye vieux major aye na kimkolo lelo alingo bima ya mona kisasa aza pe na courage ko kosa bana kisasa na télévision pour na olba n'importe quoi na mboko to yiba sala nzambe ba ndenge na ndenge ba o to ko kumuna ya lokuta na ndenge ma bebo ye zali passe mingi za ko pesa passe pe mawa mais nzambe ndenge ya ko fit ko lokuta. Voilà les langages du gouverneur de la ville. Chiti à Godem pour Yézali Moussikati. Pour avoir protégé la bêtise pendant 4 ans. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans la gestion? Topé na passage à Jantini Ngobila, na Katia Mboka na Biso, topé na gestion ya Bokambia Villa Kisasa, na Bisika Leka Kuna, to retenaga ka massacre ya Yumbi, ba livre Biso, na spectacle, mais encore très désolant, na théâtre, kin bopé tout le komi wapi. Cher gouverneur Jantini Ngobila. Félix a mis en place une opération pour anéantir militairement Kabila. Cette opération-là porte un nom de code. Le nom de code de cette opération, c'est Francky. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas rester éternellement au pouvoir. Ils ne peuvent pas jouir du pouvoir sans qu'il va anéantir Kabila. Premier plan, il faut enlever tous les militaires aux côtés de Kabila. C'est ce qu'ils ont fait. L'opération Francky doit être exécutée entre le mois de juillet et le mois d'août. Toutes les perquisitions que vous voyez là, ce sont les perquisitions qui rentrent dans le cadre d'opération Francky. Les choses terribles vont se passer entre la fermeture de l'année scolaire jusqu'à décembre. Ils vont prendre d'assaut GLM, ils vont prendre aussi d'assaut Kingakati. Et ils vont monter un dossier, non seulement pour perquisitionner, mais pour prendre Kabila et l'anéantir. Je vous dis, les armes ont été achetées. L'argent pour acheter les armes a été versé par Nicolas Kazadi. Il y a quelques mois, le perdant, ça sera Félix Tshisekedi. Vous allez revivre à Kinshasa ce que vous avez vécu avec Sassou et Lissouba. Bah, il y a 25 000 francs. Il y a 10 dollars. Pour boire, pour teka, pour salade, il y a un na niveau de komi. Il y a des légumes passe, mais il y a des pommes. Il y a des bima. Il y a des papaya. Il y a des tala. Singo koyeba ete bozali ebele bandeko balandi ya plus clair télévision la chaîne de vérité bandeko balandi émission vérité de tous côtés mbote na bino bipai nyonso ezwami bino merci na fidélité merci na confiance merci na bolingo oyo bozali ko renouveler pa maman Joël Kombe mona plus clair télévision mobimba yango to singa ka bino ete ozali ko landa biso na nos abonnés te s'abonner le lengi ya ko soutenir mosala bozali ko sala le lengi ya ko soutenir biso ce qui tozali ko exister ce qui tozali awa ezali po ete bino bo pesa biso confiance tozali ko renouveler fidélité na bino na kati ya la chaîne de vérité et na yango to pesi bino ma
tondo mingi. On est comme ingéli à talisiété à perdre ba coordonnées na union so des téléphones na yé mais kasi pour na ba union so bazali na bo senga na yé au bazali ko benga yé bazali ko joyeté bo benga yé na plus 243 81 288 88 35. Donc on a répété plus 243 code de la République démocratique du Congo 81 28 888 35. Wa nezali numéro oyo bokozwa mona mboka niko mayenge le nzela ya appel normal jusque là azali opérationnel de appel normal et puis WhatsApp ekoya sima. Merci na Joël Gona gauche sœur d'image Joël sima caméra. Merci na Cordo pi mafuku pe na popola yombe. Avant tokota na kati ya mama na likambu na biso ya mukulu mwa lelo nazali na 2-3 vidéo oyo toko partager na bino elongo toko kabola makanisi na bino lenge na lobaka ete tango to yaka liboso na bino elingi kotalisa te ete tozali na boyebi koleka bino tozali mayele koleka bino me kasi possibilité pesami li biso po ete tozali liboso na bino me kasi to kabola na bino makanisi na nzela ya ba commentaire na bino totanga ka yango na nzela ya ba message na bino boko tindelaka biso boko yoka tout à l'heure na kopesa quelques messages ya bandeko oyo batindela kinga yi maman Joël. Voilà pourquoi tout le bakayete les alités pour tout le qui bino mayele mingi. Merci na confiance wana mais kasi yamboto solo landing na wuti koloba tokozwa quelques sango ya mai matali toujours mboka na biso République démocratique du Congo ya mukolo mwalelo abuta mukolo mwalobi jeudi 22 juin 2023 député national Ados Ndomba c'est là qui quoi adressé une correspondance au président Martin Fayulu pour na kosengaye à reconsidérer décision naye sur matali retrait provisoire du présent processus électoral. La talici était en effet nous pensons que cette décision ne répond pas aux attentes du peuple congolais. Nous espérons qu'il reviendra sur sa décision au meeting de ce dimanche 25 juin devant ses fidèles électeurs. Ados Ndombasi, député national. Suspendu de ses fonctions des DG de la SNEL en avril dernier, à la suite d'une recommandation de l'Assemblée nationale, Fabrice Lucindi vient d'être réhabilité par arrêté ministériel. La Chambre basse du Parlement avait demandé en avril sa révocation pour cause d'incompétence et d'inefficacité dans la gestion de la société. Nabanza a été dernièrement sur ce plateau et le on a mon amboka Flori Béa à Meka, Kolobela Yango, le Lengini DG Wazala qui suspendu dans le mois d'avril pour la raison Italie, incompétence, paix, inefficacité, dans mon tout, la gestion SNN, Azali Bongo réhabilité. Un passeport diplomatique remis à un joueur Chancel Mbemba, après artiste et musicien Kofi Olomide, maître Gimsina Dadjou, Siko et Komingonga Yaba joueur, Vasili Kopé sa passeport diplomatique d'un joueur Chancel Mbemba. PPRD Azali Ko dénoncé avec véhémence la perquisition barbare et violation du domicile de son secrétaire national en charge de la mobilisation et propagation et propagande na Kombo ya Dunia Kilanga signé par Ramazani Shadari. Na ngambu ya Congo central visé par une motion de défiance. Jean-Claude Mvuemba, président et assemblée provinciale, a Sili Bongo ko démissionné. Selon un tweet, il y a mon aboka Yves Bouya, qui était face à la pression inutile, paix fantaisiste, préféré qu'au sauver honneur naïe et sortir par la grande porte de l'histoire. Wane Zalaki Bongo, quelques informations, tout ce qui tout peut s'annabino, yambo tout selon lui, matalimbo cannabis au République démocratique du Congo. Mais kasi mokolo mwalelo, na cause la vraiment moulaïté quand on a mis matalimba commentaire na ngai moko, tout pour opinion na ngai moko, na mis matalimbo cannabis au, mais kasi na rotika congolais moko na moko akoka kujige. Et que comprendre vidéo et vous et allez au yo bande qu'on a bien sûr la force du progrès baillé la ministère des finances pour n'a qu'on revendiquer n'a évité ce qui trouve bien un gros salaire ce qui trouve bien un gros nini là toujours en gros animage cordeau puis ma fouille qu'on se retrouve tout à l'heure.
très. Oui, nous avons lancé un message et pas honorable Jean-Marie Lokoulas. Et là, notre liste, il y a 100, il y a 802 personnes. Oh, l'histoire, ils ont la cité de Loya, et pas le chef de l'État. L'histoire, ils ont le ministère de la Finance. Mais Jean-Marie Lokoulas, nous avons dit pour la misala. Mais biso content, biso y a force du progrès, la lito biso tonité, wapi content na biso. Wapi ango, biso mon naté. Et puis de l'eau, au lieu de biso $80, au lieu de biso $60. Des difficultés to jan ango. Et deux, troisième point, exact. Voilà, Bandeko Balandi, il y a plus clair télévision, la chaîne des vérités, ça fait très mal. Très mal, alors très mal. Makambo, Toyoka Yango. Vous t'accalez la part Bandeko Merlin, vous Mustapha, Bandeko Moussouche, belé belé été, baï force du progrès, bafou takabango mbongo. D'autres que baï te, bape sa kabango mbongo, potomona, po basala makam nyon soyo, to mona kabasala ka auto de kriag. Bazali au nombre de 800 idées. O bazali, chaque mois, kozoa $80 dans le ministère ya finance. Cet argent, je ne sais pas, gratuitement comme ça, bato bazali kozwa $80. Pour bazali baï force du progrès, il y a IDPS. Alors que fonctionnaire, il y a l'État. A kozwa combien? Alors que soldat ou bazali kotangisa makila na ye, azali na salaire ya malongati. 800 et de wana multiplié sur 80$ ton multiplié en mot par nombre. Oh, baloui bazali, 800 et de. C'est une affaire de $64,000. Oui, bimaka, chaque mois na caisse y a l'État. Mbongo langana yo, y a contribuable les Congolais. Mbongo y a un kite, mbongo na biso, biso sur zali ba bénéficiaire. Mais sur base de quel élément, sur base de quoi? Ba y force du progrès. Et singeli baba na kofuta bango mbongo. Meeting de pesama ki par président de la République na nzela. Ya Jean-Marie Lokoulas. Oh, pe plusieurs fois bandeko bazali ko dénoncer a wa ete yende ba pesa responsabilité ya ko entretenaka Jean Mongo boye songolo pa kala ya batu. Une vidéo cordon pi mafiko. En image on se retrouve tout à l'heure. Mboka na mboka eza na bakolo na ngo. Mboka na mboka eza na bakonzi na ngo. Oyo biso mokonzi baponela biso na mboka Congo azali mwana Kisasa, comme on a eu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo biso mokonzi baponela biso gouverneur ya Kinshasa azali mwana Kisasa, butami na Kisasa, akoni na Kinshasa.
kombo na ye Gentini Ngobila Mbako. Bato mususu na moni bako lekana ba television onga na kola na Kalina onga na kola na Bandalungwa to moni bango ba uti mboka ba ye na Bandalungwa awo vane pa noko na ye vieux major aye na kimkolo lelo alingo bima yala mona kisasa aza pe na courage ko kosa bana kisasa na television pona ba n'importe quoi. Alors Namboko to yiba sala nzambe bazandenge ndenge ba passer Utombo ba passer Konde ba passer Mukuna ba tumoko ya Bosembo ba tumoko formidable au sur sol naye au monde maintenant voilà aux humanité ya aux humains au biko aux moi bénédiction ba o to ko mona ya lokuta nandenga mabebo ezali ezali passe mingi ezali ko pesa passe pe mawa mais nous avons mené à refuter bango bango moko barozonga nanzela pour le kuta du soir dans le kuta. Voilà Bandeko Balandi, je me rappelle encore une fois dans une vidéo, je crois sur TikTok, nde na chaka yango tant tout mon aka Gentini Ngobila na boye ya roi Philippe ah akoyemba fachi na béton un gouverneur de la ville. Voilà le langage du gouverneur de la ville. Par rapport à Gordon Poyo, pendant 4 ans, il était gestion de la ville et à Kinshasa, il allait côté Mbola Malamo. Pendant 4 ans, au moins en Boka Mike Mukebayi abondissami tant qu'ils allaient qu'au dénoncer complot, complicité, où ils allaient qui consalama entre gouverneur na président assemblée provinciale Gordon Poyo. Mon amboka Mike Mukebayi a été malmené dans l'Assemblée provinciale. Et voilà aujourd'hui ce qui se passe entre Gentini Ngobila na Gordon Poyo. Après semblant moko ya réconciliation, on ne comprend pas. Mais à la lire où vont les choses. Chiti ya Gordon Poyo ezali mosikati pour avoir protégé la bêtise pendant 4 ans. Na mutu oyo tino kino lelo congolais kino azali incapable ya komona de quoi Gentini Ngobila a été capable ou qu'est-ce qu'il a donné aux congolais pendant 4 ans kino bopeto ya lokuta ya fo ya munyato ya nyonso qu'est-ce que nous pouvons retenir na gestion topé na passage ya Gentini Ngobila na kati ya mboka na biso topé na gestion ya mbokambi ya ville Kisasa na bisika leka kuna to retenaka ka massacre ya Yumbi et aujourd'hui voilà comment Gentini Ngobila voilà comment Gordon Poyo ba livré biso na spectacle encore très désolant na théâtre na gouvernement topé na mbokambi ya ville ya Kinshasa. Qui ne peut tout le lever comme Iwapi, cher gouverneur Gentini Ngobila. Yambo ya koye bisabiso, comment est-ce que Gordon Poyo est un faux prophète, faux pasteur, oui. Biso toye ba kiango ba nakala. Mais quand vous avez qui observé, bino vous avez qui observé, l'icopana bino puis toye ba qui peut que notre vous avez ça, l'icopana bino. Parce que rien de palpable, rien de concret dans la gestion de la bino. Ndenge bandeko balandi na plus clair télévision na utaki koloba eti na kozala mulayi mingi te na maimatali commentaire nanga tupe bo opinion nanga point de vue nanga na maimatali masolo na biso ya mukulu mwalelo na kosenga na cordo pe mafriko. Une dernière vidéo ya ndeko Pero Luara papa moko benginga lelo na 0h mususu benginga na 23h. Et quand je me réveille le matin, na rappelé bango nyo soba ko yebizanga maman Joël Kombe to benga kio pour être vraiment l'air grave. Landa vidéo ya ndeko Pero Luara on a pesi mbote depuis bisika zali, décrit en faux na ye ya le 22 juin otozali 2023 bi pa yuapi atitra ki ete fachi va attaquer militairement JKK qui veut dire Joseph Kabila. Tolanda, qu'est-ce qui se passe par révélation ya mwana mboka Pero Luara, on se retrouve tout à l'heure. Félix a mis en place une opération pour anéantir militairement Kabila. Cette opération-là porte un nom de code. Le nom de code de cette opération, c'est Francky. Comme je vous ai dit au début,
Le frappeur qui a entouffé Tshisekedi est lui-même. Ayant goûté au miel, au lait, ils ont compris le bonheur du pouvoir. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas rester éternellement au pouvoir. Ils ne peuvent pas jouir du pouvoir sans qu'il va anéantir Kabila T. Et ils ont décidé de mettre en place une opération pour traquer Kabila. L'opération qu'ils ont mis en place a un code. Le code de cette opération s'appelle Francky. Qui a planifié l'opération? C'est le fameux général Doumba. Le général Doumba est le chef de la maison militaire de Félix Tshisekedi. Il vous souviendra que dans tous les dégâts qui se font, et dans l'Est, et ceci, vous avez toujours le nom de ce général Doumba. Il fait énormément de dégâts autour de Félix Tshisekedi. C'est un homme incontrôlé. Dans la chaîne de commandement de l'armée, aucun endroit vous allez voir que le chef de la maison militaire décide. Mais ici, Doumba décide même des opérations militaires sans que tu ou Christian, qu'ils ont mis là comme une facette, ils ne sachent ce qui se passe. L'armée congolaise aujourd'hui, les opérations militaires aujourd'hui, la personne qui contrôle, qui commande, c'est le général Doumba, chef de la maison civile, de maison militaire de Tshisekedi. Alors qu'il n'est dans aucun endroit dans la chaîne à commandement. Les armes, les ceci, c'est toujours le fameux général Doumba. C'est lui. Et c'est le général Doumba qui a mis en place l'opération Francky, qui est une opération militaire qui vise à neutraliser Kabila. Il y a des plans prévus. Premier plan, il faut enlever tous les militaires aux côtés de Kabila. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enlevé les commandants militaires, la JR, ceci, cela. Et ils commencent maintenant à arrêter les militaires. Là, ils ont arrêté le colonel Youssef. Après, ils vont arrêter un certain colonel Zoro, qui est aussi proche de Kabila. Hein? Après, ils vont arrêter le fameux colonel Guillaume, le chef de la sécurité d'Olive Lembe. Ils ont fixé une date. L'opération Francky doit être exécutée entre le mois de juillet et le mois d'août. Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu est que on va anéantir politiquement Kabila. C'est ce qui est prévu. On va anéantir politiquement Kabila en faisant quoi? D'abord en éliminant les hommes politiques autour de Kabila. Toutes les perquisitions que vous voyez là, ce sont les perquisitions qui rentrent dans le cadre d'opération Francky. C'est le nom de code de cette opération-là. Opération Francky pour anéantir Kabila. Ils vont prendre tous les commandants et tout menacer ces hommes politiques. L'opération est prévue entre le mois de juillet, août et juillet. Donc, à partir du mois de juillet et du mois d'août. C'est comme ça que je vous avais dit. Les choses terribles vont se passer entre la fermeture de l'année scolaire jusqu'en décembre. Doumba, qui pilote l'opération Francky, prévoit de passer à l'action entre le mois d'août, entre le mois de juillet et le mois d'août. Ils vont prendre d'assaut Gelem, ils vont prendre aussi d'assaut Kingakati. Et ils vont monter un dossier, non seulement pour perquisitionner, mais pour prendre Kabila et l'anéantir. Je vous dis, n'a pas si bino 2-3 mois. Je vous ai dit au départ que dans 2-3 mois, vous allez voir des tensions dans ce pays-là. Ngeleka et ses hommes ont prévu de mettre en place l'opération Francky entre le mois de juillet et le mois d'août, avant le mois de septembre. Combat code d'opération, opération Francky. Qui gère l'opération? C'est le général Doumba, avec l'aide de 3 personnes. Trois personnes l'aident dans cette opération Francky. Il s'agit de qui? Laissez-moi vous retrouver les noms. Bazara Boyoko, ouais. Péwa Lobaki. Oh, Péwa Lobaki. Et Péwa Salaki. Il y a Robert Bindele. Robert Bindele qui est donc l'AG ad intérim de l'année aujourd'hui. Il y a Christian Bondo, qui est AP intérieur de l'ANR, et puis il y a Joseph Assoumani qui est AP extérieur. Robert Bindele, Christian Bondo et Joseph Assoumani. Le premier est AG intérim de l'ANR, le deuxième est AP intérieur et le troisième est AP extérieur. Voilà les hommes avec lesquels le général Doumba travaille pour mettre en place l'opération Francky. Ils ont acheté des armes pour le colonel Danny Koumbi.
Les armes ont été achetées. L'argent pour acheter les armes a été versé par Nicolas Kazadi. Il y a quelques mois, un ou deux mois, via Danny Banza à Monaco. Nicolas Kazadi a remis l'argent à Monaco à Danny Banza. Danny Banza, vous voyez bien, c'est ce frappeur Katangela qui vous a amené, qui était autour de Félix Tshisekedi. Danny Banza a pris l'argent. Il est allé donner à un marchand d'armes sud-africain qui s'appelle Robert Gadive. Ils ont acheté les armes. Ils ont donné ça à Danny et à son équipe qui se trouve à l'heure où je vous parle, Nakibomango. Danny Banza, c'est lui qui a pris l'argent des armes. C'est Danny Banza. C'est Danny Banza qui a pris l'argent des armes. Il a donné ça à Robert Gadive, qui était un Sud-Africain. Ils ont acheté les armes. Ils ont alimenté l'armée, le commando, dirigé par Danny Koumbi, qui est déjà à Kibomango. Et l'objectif serait d'attaquer Kabila. La date pour l'attaque est prévue entre le mois de juillet et le mois d'août, avant septembre. Avant septembre, vous allez voir, Félix va multiplier les arrestations dans les rangs de Kabila. Il va multiplier les arrestations dans les rangs de Kabila. Objectif, avant décembre, il faut en finir avec Kabila. Il faut en finir avec Kabila. Kinoa congolais, je le dis, ça va barder dans ce pays-là. Je vous ai parlé d'une confrontation militaire. Les plans sont de part et d'autre. Félix a son plan qui s'appelle Franky. Le code, c'est Franky. Et l'objectif est simple, c'est l'objectif d'anéantir Kabila. Qu'est-ce que je veux dire? Monsieur, ce que vous cherchez là, vous allez le retrouver. Prenez ce que je vous dis. Dans l'optique d'une confrontation militaire telle que planifiée et voulue par Félix Tshisekedi, le perdant, ça sera Félix Tshisekedi. L'opération Franky va échouer. Vous allez revivre à Kinshasa ce que vous avez vécu avec Sassou et Lissouba. Kabila ne se laissera pas faire. Mes informations sont claires. Kabila peut faire semblant de laisser Félix venir perquisitionner Kingakati et Jelem. Il va les laisser. Mais le revers de la médaille, quand il se lèvera, Félix va fuir. Papa, Okozanga nenga komelati vas na ruinard. Le général Toumba est en train de te tromper, papa. Okopelisa moto oyo kokokoboma yango te. Okopelisa moto oyo kokokoboma yango te. Je lance ici un appel. Monsieur Félix Tshisekedi, Congolais, rassurez-vous. Que Félix Tshisekedi monte et qu'il descende. Akoleka décembre te. Félix n'aura pas un autre mandat. Je vous le dis. Bokobenga la prophète. Félix a causé un mandat moussousouté. Et s'il y... Félix est en train de partir. Félix est de gré ou de force. Bilo Kazako Sala, c'est parce qu'il sent que Soukanaye est commis pembeni. De gré ou de force. Félix est en train de faire une erreur. Ceux qui l'entourent sont en train de les tromper. Ils sont en train de l'induire en erreur. Bokanisi Moutamande Fouana Zazoba. Échoué dans l'élection, a eu pouvoir et enflé à Pessibino. Et vous pensez que vous pouvez faire ce qui bon vous semble. Faites-le. Donc voilà le plan qui est mis en place pour anéantir militairement Kabila. Félix est en train de préparer une action militaire contre Kabila. Ils vont aller perquisitionner chez Sadari qu'ils peuvent arrêter. Ils vont perquisitionner chez Kabange Numbi. Ils vont perquisitionner chez Koko Nyangi. Au besoin, on va les arrêter. Après, ils ont cantonné des militaires commandés par le colonel Danny Koumbi. Les commandos qui se retrouvent au moment où je vous parle, à Kibomango. Bajiro Baolata Babilamba, le roi, il y a des Erwan. Bazan à Kibomango. Les armes ont été achetées via un marchand sud-africain qui s'appelle Robert Kadive. Nicolas Kazadi a remis l'argent pour l'achat des armes à Danny Banza à Monaco. C'est Danny Banza qui a récupéré l'argent et qui a remis à ses marchands. Ils ont acheté les armes qui sont allés cantonner à Kibomango.
ils ont donné à la, au commando là, le commando du colonel, comment Nani, colonel Nani, Dani Kumbi. Mes caméras ont tout vu. D'ailleurs, nous sommes en exil. Qu'est-ce que tout le La République est en danger. La justice est en train de nous mettre tous en danger. Allez provoquer là-bas. Ma pakanis, ma potisombang. Qu'on libère la République entre le maître de la frappocratie, des frappeurs, des juisseurs, des gens qui n'ont pas d'idéal, qui n'ont pas de vision, qui sont là pour voler l'argent. Moussa Kabayela Kézara Kouibana Koubina. La vérité, elle est seule là, mes chers frères. La vérité, elle est seule là. Mais Kabila n'est pas bête. Kabila a aussi un plan. Demain ou après-demain, je reviendrai aussi ce que Kabila pense. Quand on peut m'a fouille couper sa bisso une autre vidéo, tout à l'heure, l'engenini maman a décidé à tirer banana sac. Pourquoi? Parce que bah, il y a 25 000 francs, on se retrouve tout à l'heure. Non, tu vas me retrouver tout mon renseignement. Où maman et ma sac, il y a autre que non, il y a quoi pas. Et chaque fois, il y a un peu de temps, il y a un sac, il y a un peu de temps. On a filmé pour le pôle. Nzala pe passe na mboka bandeko balandi ya plusieurs télévisions. On ne sait plus à quel sens c'est voué. Na oki passe na motema. Passe na motema tant que maman komona ki moboti tope yaya tope ndeko na loba. Akomi na niveau ya kozwa bana ati bango na kati ya sac pe ya kangi pe ya sac. Ou ba teka ba loso, ba semoule, ba fufu. Pourquoi? Parce que bana wana d'après maman tope yaya je ne sais pas moi qui ba yiba ki 25 000 francs. 25 000 francs. Peati bango na kati ya ya sac. Soki poa kende ko boa ka bango. Soki poa te ka bango. Soki poa sala ni d'après ye bana ba yiba ki 25 000 francs. Oui. Lelo 25 000 francs ezana valeur ya to ba $10.
10 dollars. Mais 10 dollars ne les a dit qu'on représentait nini na bomoya congolais. Pour na o azali na ngote pour kangisa 25 000 francs. Na vie est comme intenable, na vie est comme cher. Mais bana au nombre de 5 ou 6. Maman bungi simbo na ndako 25 000 francs albi bana bayibi. Atche bango na sac. Pour boka, pour teka, pour sala ndenge nini. Parce que maman t'a dit, t'as mis sous 25 000 francs, wana yango kaka, ce qui est à rouler combien de jours. Mais bana pena nzala, t'as mis sous bako lia malam moute ba yibi 25 000 francs. Soit ba yibi, soit il disparaître nanda kou 25 000 francs. Tala. Nan niveau tout komi. Au même moment, ba minere. Au même moment, misolo ko zala détourné et ko yibama ba minere ko bima des tonnes namboka oyo peuple azali dans la misère namboka oyo peuple azali nanzala peuple azali na pasi ndeko moko atinde linga ba message chuma imatali douane abi maman Joël Kombe. Biso bayi diaspora to kokaki ko aide bandeko na lolenge ebele o to mona ka bandeko biloko yaka ba biloko c'est tout et tout mais depuis un certain moment mais biloko bando somba mana biloko na 5000 francs et le lo koma ba 10000 et le donc tout est devenu cher pourquoi parce que douane est mati conteneur ya 40 pieds o ce qui à l'époque bandeko zala payer to taxé na 10500 dollars aujourd'hui c'est dans les 11500. Nyon soa nezali ko sala ete. Vie zalaka ka talo zalaka ga likolo. Parce que bandeko bazo koka lususu te. Jusku. Makamba Kongo. Un certain moment soko tali koto bo bandeko ba bengi. Koto bo batu ba bengi. Koto bo tu ba bengi. Un certain moment na kimia na pongi zanga rabiso. Po na Kongo. Moment ou ngana yo to zanga kimia to zanga pongi. Po na Kongo. Tout coupé à l'estomac. Puis il y a des gens qui sont dans la jouissance. Rémoi, on a eu goûté ça. Voyez encore. Notre Congo, le beau pays. Notre beau pays. Hein? Embouteillage. Il y a trac. Embouteillage. Combien? Combien de milliers de véhicules avec ce que nous avons laissé là-bas et ce que nous avons ici. Combien, il y en a combien? Comment les vivent dans la pauvreté? Nous nous sommes en train de nous plaindre, voyez-vous. Combien d'argent qui entre? Combien? Voyez-vous même. Zolela lelo nzala o ngai boye o boy wana ko lela nini papa talamboka na biso talambongo tangoy yo pozo legume passe mais talapo ezo bima ezo kena papa ya tala yango tala o nano mona chena mituka boyete tala nano o nyonso tala abengo ba track. Yangoy, Mandela Kolesi. C'est chez nous, au Congo. Ce n'est pas ailleurs. Voyez. Comptez vous-même. Combien de véhicules? Et tout ça pour exploiter notre pays. Voyez vous-même. Faites des calculs. Mounogoya pamba. Voyez. Attendez, vous n'avez pas encore vu. Toute une chaîne comme ça. Comptez. Hein? Vous allez compter. Je vous envoie ce film ici. Vous allez compter le nombre de véhicules. Hein? Embouteillage de trac. Vous allez compter. Vous-même. Comptez. Mes chers amis. Comptez.
voyez tout ça, les minéraux. Voyez les minéraux. Voyez cette chaîne de véhicules. Regardez bien, comptez-les. Prenez même votre calculatrice. Comptez. Vous jouez là-bas pour avoir un peu de légumes. Vous vous plaignez. Voyez les gens qui viennent piller notre pays. Voyez tout ça. Voyez ces remorques qu'on appelle des tracts. Voyez. Vous allez vous fatiguer. Comptez un peu. Il y a des gens où ndenge bandeko na biso ba kokufa lelo na beni ba découverte ya ba nzoto misusu salami ya bibembe mebele kati na bino tongo tupesa ka basango tout tango boyoka kama imazali koleka na kati ya mboka na biso bozanga ka kimia bozanga ka petit na yoka plus d'une fois bandeko misusu kolela mais est-ce que nous ressentons nous avons les mêmes sentiments ki ba yo bazali kokamba biso. Est-ce que vraiment Bazali n'a souci? Il y a pays plus Bazali qu'on vivre et boui. Dollar Bazali qu'on mate, c'est qu'on mate. Lipa, ta ya pamba ou lipa. Le Bazali n'a pas Bazali incapable de ressembler lipa. Il y a coffre ou ya bango bana lipa. Il bongo miliki. Tolo banin. Et que ça l'a passé. Bande ko balandi applique la télévision. Dingue na loi qui est ngai moko. Na ko zala moulaï te moukolo mwalelo. Et c'est là qu'il pourrait être partagé dans Bino. Ces deux, trois vidéos. Il y a même des collègues qui ont été en train de se faire dans la République démocratique République démocratique du Congo. Tout ce qui est le cas de Péro Louara, a été en train plan militaire pour anéantir Joseph Kabila. Ils ont déjà mis en place par Félix Tshisekedi et Naba Oyaye. Ou des révélations Oyasali d'après. Ba source tout ba caméra na ye. Mais aussi, tout le monde a eu la perquisition, les alliés au salama, à Talisiette, à Kwané, à Tirié aussi politiquement, à l'arrestation, à la perquisition, il y a eu les alliés proches, il y a eu les bota politiques, il y a eu les alliés masolo, tous les alliés, il y a eu les alliés, tout le monde a eu les alliés, il y a eu les alliés, au CP, il y a eu les émissions laïques, les alliés, il y a eu les alliés, il y a eu les alliés, pour s'abonner dans la chaîne Plus Claire Télévision, la chaîne de vérité. Merci à Joël Gonago, chasseur d'images. Je vous remercie sur ma caméra. Cordobie Mafuku, Popola Yumbi. Au revoir.